Passion Camping-Car, c'est un épisode un dimanche sur deux à 18h. Pour être sûr d'en louper aucun, abonne-toi et active la cloche de notification. Tu peux aussi laisser un pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler des vannes motorisées, mais pas les vannes motorisées comme j'ai, des vannes guillotines motorisées. Donc tout d'abord, je vais faire un petit retour sur mon installation, ma vanne motorisée. J'en suis vraiment très satisfait. C'est super. Quand il pleut, vous n'allez même pas à sortir si vous avez juste les eaux grises à vider. C'est très appréciable. Au sujet de la caméra, beaucoup m'avaient dit que la caméra, au bout de quelques kilomètres, je ne verrai plus rien tellement elle sera recouverte de merde. Eh bien non, la caméra, je ne l'ai jamais nettoyée et j'y vois toujours aussi clair. Donc je suis vraiment content concernant le petit éclairage pour la nuit, il fonctionne plutôt pas mal. On arrive bien à se repérer au niveau de la grille, où est-ce qu'on est. Franchement, la motorisation et la petite caméra, j'en suis vraiment satisfait. Pour rappel, ceux qui ne le savent pas, la vidéo est ici. Aujourd'hui, on va aller plus loin, on va parler des vannes guillotines et de la motorisation de vannes guillotines. Et oui, parce que beaucoup de personnes m'avaient dit que la motorisation de vannes les intéressait, mais malheureusement, ils avaient une vanne guillotine, donc mon système n'était pas du tout adaptable à une vanne guillotine. Je dois remercier tout de suite un abonné, Rémi, qui m'a filé des photos. Il a fait une installation, il a motorisé sa vanne guillotine et il m'a tout donné pour que je puisse réaliser un épisode. Et il en est vraiment très satisfait de sa motorisation de vanne guillotine. Donc je tiens à le remercier. En quoi va consister cette motorisation? Vous allez voir, c'est très simple. Pour la partie commande, tout ça, ça reprend le même système que moi. C'est juste au niveau de l'actionneur, au lieu que ce soit une vanne en elle-même, ça va être juste un actionneur linéaire, un vérin électrique si vous préférez, qui va venir tirer sur la vanne guillotine ou repousser. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous proposer bien évidemment le vérin dans la description qu'il a utilisé. Il faut savoir qu'il va falloir adapter votre course à votre vanne guillotine. Bon, généralement, il n'y a pas 50 000 modèles. Au niveau course, ce que j'entends par course, c'est la position entre fermée et ouverte, le trajet qu'il va falloir faire. Eh bien, le vérin, va falloir que ça corresponde bien évidemment. Si vous prenez un vérin avec une course trop petite, ça n'ouvrira pas votre vanne en entier. Et si vous prenez un vérin avec une course trop longue, ça va trop tirer dessus et ça peut éventuellement péter votre vanne guillotine. Donc il faut vraiment prendre la bonne course. Et si vous n'avez pas exactement la bonne course, il vaut mieux privilégier une course légèrement inférieure que légèrement supérieure. Voilà, je vous propose tout de suite de passer au petit diaporama de son installation. Donc voilà, comme vous avez vu, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous faites une patte pour tenir le vérin, vous fixez le vérin en bout de la tige de votre vanne guillotine et voilà, c'est fait. Il a installé aussi une caméra pour être sûr d'être bien au-dessus de la grille de vidange. Franchement, il n'en est pas mécontent et lui non plus, la caméra, il n'a jamais eu à la nettoyer. Il faut savoir qu'il a prévu au niveau des attaches, il a prévu de pouvoir déverrouiller le vérin. C'est-à-dire que si jamais le vérin tombe en panne, il tire carrément dessus et ça permet d'ouvrir ou de fermer la vanne guillotine. Donc comme ça, pas de souci en cas de panne.
Comme d'habitude, hein, je vous mettrai le lien vers le vérin dans la description. Je vous rappelle qu'il faut l'adapter en fonction de la course de votre van guillotine. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à la commenter, à la liker. Enfin, vous connaissez la chanson. Et je vous dis à dimanche dans 2 semaines à 18h pour une prochaine vidéo.